Bienvenue à Oviedo, au stade de Carlos Tartiere, pour ce dernier match du groupe B de la Coupe du Monde de 1982. Le match va opposer l'Algérie, les Fenech opposés au Chili. Pas grand chose à espérer dans ce match, sauf terminer en beauté. On ne sait jamais, même un petit exploit, ça serait formidable. Même si l'Autriche et la RFA sont quand même bien placés pour se qualifier dans ce groupe. En tout cas, du spectacle dans ce match, des occasions. L'Algérie domine les débats. Ils ont réussi un beau nul contre l'Autriche. Alors, pourquoi pas espérer une victoire. On croit qu'elle va arriver sur cette action de Salah Assad, mais bon arrêt de Osman. En tout cas, l'Algérie tout domine. Les meilleures occasions ici, Mustapha Daleb, le Parisien. Belle frappe. L'Algérie voudrait bien remporter une victoire. Et on ne sait jamais, espérer une défaite de l'Autriche face à la RFA. Et ça continue. Ici, c'est Madjer. Malheureusement, c'est au-dessus. À la mi-temps, 0-0. Les Algériens n'ont pas été payés de leurs efforts. Le Chili est décevant. Mais attention, car sur une occasion, ça peut faire mouche. Comme ici, Bonvalette qui était bien décalé. Toujours les Chiliens en cette seconde mi-temps, un peu plus entreprenant. Sans problème ici pour Mehdi Serba. L'Algérie reprend sa domination. Il manque un peu de réalisme dans cette équipe et c'est ce qui leur a fait défaut lors des précédents matchs. Nouvelle ici, action sur la barre transversale. Cette reprise était magnifique. Samir était mieux. Mais attention, ne pas se découvrir. Ici, Carlos Caselli se présente. Heureusement, son tir est trop croisé. Un coup franc pour Belloubi, bien capté par Osben. Il reste à peine 10 minutes à jouer. Un ballon qui va être décalé pour Bonvalette. Bonvalette qui va se présenter face à Serba. Et c'est cadré, ça touche le poteau, mais c'est but. 1-0. Contre le cours du jeu, c'est donc le Chili qui ouvre la marque par Eduardo Bonvalet. Beau décalage. Au départ, c'est Patricio Yanez. Au départ de l'action, 1-0. Les Algériens, c'est décidément, ne sont pas payés de leurs efforts. Mais ils attaquent toujours. Et ici, c'est Tlemcen qui reprend ce ballon de demi-volée. Et ça va dans le petit filet d'Osben. Un partout. Enfin, le voilà, le but algérien par Jamel Tlemcen. C'est encore lui qui avait marqué contre l'Autriche le but égalisateur dans les arrêts de jeu. Et ben là, également en fin de partie. Ce fut long à venir. Mais quand même, le voilà, le but algérien, Tlemcen, belle reprise, un partout, l'Algérie termine avec les honneurs. Sport Billy, les champions, tu es le roi. Sport Billy, on admire tes exploits. Le deuxième match de ce groupe B, et là c'est une affiche pour la première place entre l'Autriche et la RFA. Deux pays qui se connaissent bien. L'Allemagne 4 points, 2 matchs, 2 victoires, 0 but encaissé. Et de l'autre côté, l'Autriche, une victoire éclatante face au Chili. Et un nul face à l'Algérie. Ouais, regardez, on joue depuis 1 minute 30 de jeu. Kurt Wesel à une ouverture et ne la manque pas. Et c'est dedans. 1-0 pour l'Autriche. Et premier but encaissé par Harald Schumacher dans cette Coupe du Monde. Ça n'a pas traîné ici. Harry Run, regardez ça. Le décalage, il est parfait. La défense allemande est prise de revers. 1-0, but de Kurt Wesel. L'Autriche démarre bien. Toujours les Autrichiens frappent ici. Intermeyer dans les bras de Schumacher. Coup franc allemand, ça passe juste au-dessus. Toujours les Allemands avec, ici c'était Schumacher qui a arrêté un bon ballon. La montée de Pedze
avec un débordement de Wesel. Wesel, le centre repris par Hintermaier et ça fait 2-0 pour l'Autriche. 2-0 pour les Autrichiens sur cette occasion. Départ Bruno Penzel libéré. Décalage pour Kurt Wesel. Le centre à la terre et la reprise. Premier poteau, 2-0. L'Allemagne est dominée par une équipe d'Autriche qui retrouve son jeu qu'elle avait offert contre le Chili. Toujours les Autrichiens, une frappe juste à côté. 2-0, c'est le score à la mi-temps. L'Allemagne n'a pas existé en cette première mi-temps. Mais les Allemands vont revenir avec de meilleures intentions. Rummenigge. Rummenigge, le tir de Rummenigge. Concilia à la parade. Les Allemands toujours. Karl-Heinz Rummenigge qui sonne la charge. Ballon pour Kals. Manfred Kals. Manfred Kals qui va pouvoir centrer le centre. La tête de Fischer. Ça passe juste à côté. Mais ça y est, l'Allemagne est revenue dans le match. La frappe ici de Breitner contrée. Toujours les Allemands, l'Autriche recule, Rummenigge sur son côté, il est plus vite que Penzel, le centre est tout seul, Klaus Fischer qui vient mettre une tête plongeante, qui est devant ce Concilia, 2-1, l'Allemagne réduit la marque et revient dans le match, les Allemands volent cette première place, un match nul leur suffit pour l'obtenir, vexés les Allemands par une première mi-temps totalement ratée. Mais attention, car l'Autriche a encore de la ressource. Ils ont laissé l'Allemagne se remettre dans le jeu. Mais ce sont eux les plus fringants dans cette seconde mi-temps. Et regardez, Kranken est à deux doigts marqué ici. Heureusement, un bel arrêt réflexe de Harald Schumacher. On va le revoir. Que c'était bien joué cette déviation. Et là, heureusement, la main ferme de Schumacher. Le corner à suivre. La tête de Kranken, petit filet, 3-1. Là, ça y est, le break est fait. L'Autriche a remis un coup d'accélérateur. Et c'est le but de Hans-Peter Krankl. Lui, le buteur du Rapide de Vienne. Qui avait été formidable lors de la Coupe du Monde 78. Il a une mauvaise relance et ça va aller vite. Regardez, Baumeister, Krankl qui se présente face à Schumacher. Le sang-froid, le crochet, la technique et le quatrième but autrichien. Vous ne rêvez pas, 4 buts encaissés par la défense allemande aujourd'hui face à une équipe d'Autriche déchaînée. 4-1. La passe dans le bon timing. Et là, toute l'aisance technique de Krankl. 4-1. C'est peut-être pas fini. Krankl qui va se présenter en 1 contre 1. Il réussit à passer. Et là, mauvais tacle de Ulrich Stilicke. Et qui lui vaut un carton rouge, c'est logique, il avait déjà pris un jaune. Et là, une faute évidente, flagrante et assassine sur Krankl qui filait au but. On en reste là, 4-1, belle démonstration autrichienne.